Destruction de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. 6 octobre 2017. Parole prophétique de Dieu le Père, délivrée à sa messagère, Gwendolyn Song. À mes très chers enfants qui ont fréquemment visité l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, en Israël. Mes enfants, aujourd'hui je vous vois. Je vous vois tous et je suis un Père céleste très déçu, car vous n'avez pas étudié ma parole sainte afin d'être approuvé par moi. Mes enfants, où dans ma parole sainte est-il dit de s'abaisser pour adorer des statues dans des lieux rituels de culte? Nulle part, dit le Dieu des armées célestes. Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je ne prends pas à la légère le fait que mes enfants soient à ce point égarés par l'Église catholique romaine et toutes leurs tromperies. Je ne prends pas non plus à la légère le fait que mes enfants connaissent si peu mes voies. N'avez-vous donc pas lu mes saints commandements, mes très chers? Il y est dit, tu ne te feras aucune image taillée. Cette soi-disant église n'est en fait pas une église du tout, mais un bâtiment qui a des portes secrètes qui mènent directement aux abîmes de l'enfer. Le feu éternel attend ceux de mes enfants qui suivent les voies du Vatican. Séparez-vous-en, mes très chers. Quittez-la aujourd'hui, car je détruirai cet endroit abominable et toutes ces chambres rituelles. Je le détruirai jusque dans ses fondations, lesquelles furent construites par les démons déchus des cieux, avec leur père Lucifer, il y a très longtemps. Mes très chers, j'entends sans cesse appeler « mon père, mon père, mon père ». Pourquoi appelez-vous des hommes vêtus de robes de tromperie « père » Mes enfants, dans ma parole sainte, il est écrit qu'il n'y en a qu'un que vous devez appeler Père, et c'est votre Père céleste. Mes enfants périssent par manque de connaissance, et même si je suis un Dieu aimant et plein de compassion, je prends cette insulte très au sérieux. J'enverrai séisme sur séisme sur séisme, comme un écho de mon saint trône pour aviser mes précieux enfants de n'appeler personne sur terre Père, sauf votre Père céleste. C'est un total manque de respect, mes très chers. Ceux de mes enfants qui sont sortis de cette synagogue de Satan doivent absolument porter dans leurs prières ceux qui y sont restés pour adorer dans ce donjon de dragon. Mes enfants, ne comprenez-vous pas l'époque dans laquelle vous vivez? Ne savez-vous pas que je suis sur le point d'envoyer mon précieux fils Yeshua pour collecter ses saints enfants? Ce sont ceux de mes enfants qui ont abandonné les voies de ce monde déchu, un monde imprégné d'idolâtrie et de tromperie. La puanteur de leur adoration démoniaque atteint mes narines et je vais venir pour rétablir la vérité. Cette église s'effondrera et ses fondations de démonologie seront alors exposées pour ce qu'elles sont, des trappes pour envoyer mes précieux enfants directement dans le donjon de l'enfer. Sortez-en, mes très chers, sortez-en aujourd'hui. Dieu le Père céleste éternel, aussi connu comme Papa Yahweh.